Bonjour. Avec un beau catamaran derrière, voilà surprise sur l'eau. Je suis en train de tester le ravitaillement de la pompe à eau par une bâche que j'ai installée à l'avant du bateau. L'essai n'est pas très concluant, je vais vous le montrer et on va essayer de la faire marcher. Le bateau en lui-même est très manœuvrant, là je tourne à 1,5 bar à peu près. Je vais te laisser filmer, tu sais zoomer maintenant, donc tu vas pouvoir filmer le manomètre, j'espère. Je m'arrête. Hop. Moi je sais que je le vois, donc je sais que je suis à peu près à 2 bar. Je suis sur le point blanc, donc c'est bon, tu le vois? C'est bon? On le voit à peine. Hein. Enfin, on voit le tank. Et mon tank et ma... Alors, je fais une petite marche arrière. Ah, ma marche arrière ne va pas passer. Bon, là, attends. Parce que ma pompe à eau, elle s'est débranchée. Alors déjà, elle n'est pas prête de marcher si elle est débranchée. Donc on va commencer déjà tout simplement par revenir et la brancher. Hein? Ah, mais mes copains sont venus me saluer. Hop. Pour l'aider, je vais donner un petit coup d'air. J'arrive, camarade, j'arrive, Thierry. Hop. Là, j'envoie de l'air dans la... Oh merde. Du coup, elle recrache. Bon, enfin, c'est pas grave. On va le faire après. On va démarrer là. On va démarrer le bateau. Et il va se débrouiller pour tout. Allez, Titi, je suis là. Encore. T'es allé dans la cagade. T'es allé dans la cagade. Ah oui, c'est le mec. Venez. Alors là, je te dis, j'ai à peine 1,5 bar de pression avec la pompe, on va voir. J'ai oublié de l'ouvrir pour voir si elle crache ou il y a une autre. Bon. On va imaginer que oui. Oui. Pas deux fois, mais 1,40 m, oui. Ah, 1,40 m. Oui, 1,40 m, 35 kg, oui. Celui-là? Non. Bah non. Celui-là, il fait 1 m. Bah, il faut être 2. Ouais. Bon, bah, la pompe n'a pas l'air de pomper parce que je vois pas le niveau descendre. Alors, ce qu'on va faire, déjà, on va revenir. Ça, c'est long, votre assurance. Les croisières, on avait peut-être. Ah, ils sont là-bas, je crois. Christian qui a été se cacher dans un arbre, je le vois au sapin là. Parce que j'ai peut-être pas ouvert l'eau non plus. Mais si tu as fait pitié, ils m'ont pas fait. Ah, bah oui, mais j'avais pas ouvert l'eau, alors c'est sûr que si j'ouvre pas l'eau, elle est pas prête. Si tu le mets comme ça, c'est prêt. Oh, il y a rien dedans. Mais dans ta chemise, ta poche de chemise, ta poche de chemise. Il rentre pas. Il rentre pas. Ouais, c'est un portefeuille, c'est pas un portefeuille humide. Accroche un élastique après, comme ça, sans que tu le fauches. Ah ouais, parce qu'on ne pas voir si c'est. Moi, je suis avec une ficelle. Ça a l'air de pomper. On dirait que ça pompe un petit peu. On va voir si le niveau baisse. En tout cas, l'eau bouge. Alors, ça pompe, mais ça bouge, mais ça pompe pas. Est-ce que sur le côté, vous voyez des bulles d'eau? Non. Sur le côté, la pompe, elle ne prend pas de masse. Ça fume. Je dis au revoir les amis. Encore. Pas encore. Allez, vas-y Gaston. C'est pas bon pour les lisses.
Alors explique ce que tu fais. Bah, j'essaye de faire un peu de surpression dans la bâche à eau pour que les bulles, mais tu vois, la bulle n'avance pas. Ça veut dire que la pompe ne pompe pas. Donc j'essaie de soulever le bateau pour qu'il aille plus vite. Non, la pompe, c'est bon. C'est bouillant. C'est pas une réussite, c'est pas grave. Vous avez acheté ce bateau-là en tout? Ouais. Oui, à peu près. Avec un ami, on a mis à peu près 6 mois. Ah oui, je me fais aider, moi. J'ai pas de honte. Et on va s'en aller avec le beau bateau là-bas. Il fait petit à côté du voilier. Il fait petit ton bateau à côté du catamaran. Regarde comme il accélère tout d'un coup. Magnifique. Au revoir les amis.